La coupe avec réserve de semencier est une coupe de régénération où l'emphase est mise sur la production de semis d'arbres. Ce type de coupe est réalisé dans une structure équoïenne où les arbres ont sensiblement le même âge. Cette coupe est similaire à la coupe totale où l'on récolte l'ensemble des tiges à l'exception d'arbres semenciers qui sont laissés sur pied à intervalles réguliers afin d'ensemencer naturellement les surfaces coupées. Ce traitement permet de laisser pénétrer une grande quantité de lumière au sol et favorise la pousse d'une nouvelle génération d'arbres produite à partir des semences provenant des arbres laissés sur pied. Ce traitement est destiné majoritairement aux forêts feuillues de bouleaux jaunes, d'érables, de chênes et des peuplements de pins blancs. Pour faciliter l'établissement de la régénération, ce type de traitement est souvent accompagné d'une préparation de terrain qui consiste à mélanger le sol pour exposer la partie plus sablonneuse, ce qui favorise la germination des semences. Cette étape est souvent réalisée à l'aide d'une pelle hydraulique ou par le passage de la machinerie de récolte en l'absence de neige. L'érable a la particularité de bien se régénérer à l'ombre sous un couvert dense où il y a peu de lumière. Dans certaines situations, il arrive que le boisé n'ait pas assez de semis pour assurer la prochaine génération d'arbres. Lorsque la structure de la forêt est équiène et qu'il y a un nombre suffisant d'érables matures, il est possible de réaliser une coupe avec réserve de semenciers d'érables afin de pallier au manque de semis. L'augmentation de la lumière au sol ainsi que sa mise à nu aidera les semences provenant des arbres semenciers à germer pour éventuellement produire tous les semis d'arbres nécessaires pour refaire une forêt d'érables.